Et yo tout le monde, c'est Banane Bienheureux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, vidéo des 400 abonnés et des 1 an de la chaîne. Donc dans quelques heures, ce sera mon anniversaire car je suis né le 17 janvier. Et c'est aussi à cette date-là que j'ai sorti ma première vidéo. Voilà, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte que je sors une vidéo le jour de mon anniversaire. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier, à vous de vous être abonné à ma chaîne. Là actuellement on est 407, voilà, il y en a quelqu'un qui s'est abonné tout juste, c'est là, Benoît Alina. Donc coucou à toi Benoît, tu passeras dans cette vidéo. Hein. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir cliqué sur le petit bouton vous abonner, hein, d'avoir pris ce temps-là. Et aussi à ceux qui ont aussi cliqué sur la petite cloche, hein, je vous invite à le faire, comme ça vous serez au courant lorsque je saurai tirer une vidéo via la petite cloche juste ici là, vous aurez la notification que j'aurai sorti une vidéo. Je tiens à vous remercier vous aussi qui commentez mes vidéos. Là sous de tête j'ai Corsair par exemple, tu voilà, merci à toi de commenter avec mes vidéos. Aussi Ben, voilà, tu as commenté aussi pas mal de temps mes vidéos, je tiens à vous remercier. Il y a d'autres gens, désolé, je n'ai pas vos noms en tête, mais voilà, vous êtes les personnes ça vient tout de suite de nom. Je tiens aussi à remercier pour cette année ma team, la Leading Edge. Vous pouvez trouver un lien juste ici de leur Discord pour éventuellement voler avec nous ou simplement passer dire bonjour. Voilà. Voilà, donc je tiens à les remercier de m'avoir accueilli au début, à la création de la team, au début du confinement. Donc j'ai croisé La Crêpe, Zoltar, Ropier, Pierre, Juju, voilà. Pierre et Juju ne sont plus dans la team, mais voilà, c'était des personnes avec qui j'ai partagé de très bons moments. Voilà, c'était des personnes très sympathiques. Zoltar, mon daron, DCS, Ropier, le petit frère, et La Crêpe, le mec qui gère la team, on va dire, même si c'est pas vraiment lui chef officiel, mais voilà, c'était quelqu'un de très sympathique, qui a la main sur le cœur, et franchement, quelqu'un d'unique. Donc voilà, je tiens tous à vous remercier, même aux personnes. Que désolé, je n'ai pas cité hein, dans la team. Vous inquiétez pas, je pense à vous, je pense à vous tous. Aussi, au cours de l'année, j'ai créé une chaîne Twitch. Donc là, je suis rendu à 59 followers. Donc, il me prend le temps de streamer le week-end quand je suis là. Voilà, donc vous pouvez venir passer un coup de vent, venir ici. Vous aurez un lien dans la description. Ou simplement, mon pseudo c'est bananamayo-8. Vous pourrez regarder quand je stream. Voilà, après c'est pas non plus quelque chose d'hyper méga animé, voilà, c'était un truc plutôt tranquille où je peux parler souvent. S'il y a du dialogue dans le chat, je vais discuter, etc. Si on n'a pas, voilà, je parle pas, j'aime pas parler dans le vent, on va dire. Maintenant on va passer au concours, hein, ce truc qui intéresse le plus de personnes sur cette miniature, sur cette vidéo sur laquelle ils sont tombés. Le Otas X, voilà, je fais gagner mon Otas X, donc c'est mon ancien joystick car je suis passé sur un X52 Pro. Voilà, donc il est en train de prendre la poussière, etc. Et vu qu'à la revente, ça vaut pas spécialement le coup, il vaut qu'une trentaine d'euros d'occasion, 9 euros 70 euros. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais le faire gagner à quelqu'un, je paierai que le frais de port, sachant que je ne ferai participer que les gens en France métropolitaine. Si vous ne faites pas partie de la France métropolitaine, les frais de port seront à votre charge, donc à vous de voir. Donc si vous habitez en France, je paierai les frais de port, voilà, c'est mon cadeau. Donc si jamais vous avez une personne, un ami qui veut commencer des CS mais qui a pas vraiment de matos, ou même si vous-même vous n'avez qu'un seul joystick, pas de throttle, rien, bah voilà, ce sera quelque chose, un truc pour évoluer, hein. Le Tastix. C'est quelque chose de relativement d'entrée de gamme, hein. C'est du plastique, hein, voilà, faut pas se mentir, c'est que du plastique, mais franchement ça fait super bien son taf pour son prix. C'est un joystick que voilà, que j'ai beaucoup utilisé, ça fait cheap, hein, voilà, on va pas se mentir, mais ça fait super bien le travail pour le prix que ça coûte. Voilà, il y a même certains trucs qui me manquent dans ce joystick. Après, si jamais vous cherchez des reviews, vous en trouverez sur internet. Je mettrai un lien avec le timer par exemple sur The Skyline 35 qui est ferme, qui a jeté un petit coup d'œil dessus. Voilà, on peut le voir ici. Il a un câble pour séparer les deux parties où on peut très bien coller. On peut caler un clavier entre les deux, ça fait pile poil la taille, donc ça va faire 40-50 cm de long le câble.
Donc pour pouvoir participer au concours, vous aurez besoin de laisser un commentaire OTAS X dans la barre des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, on va passer vite fait aux fiertés de la chaîne, hein, au niveau de mes vidéos. Donc on va pas aller voir les stats, hein, ça sert à rien. Mais voilà, donc on a pu voir que je suis passé dans un certain format de miniature, j'espère qu'il vous plaise. Hein. J'essaie de garder un certain code couleur par rapport aux avions et aux thèmes que ça aborde. Les armes, c'est jaune. Voilà, après vert rose pour les machines d'éditeur, etc. D'ailleurs, je me suis mis il n'y a pas si longtemps un format, c'est DCS News là. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'essaie de faire un nouveau format, donc c'est pour ça que ça fait un peu brouillon là. Au niveau du montage, j'ai vraiment du mal, donc c'est pour ça que ça fait peut-être un peu brouillon, mais bon, j'essaye. Hein, et puis, ça a l'air de vous plaire là, 500 vues sur mes DCS News là, 200. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympatoche. Donc au niveau des fiertés les plus populaires, on a un truc astuce sur War Thunder, donc ça c'est dans ma première période de War Thunder, voilà, 2100 vues il y a un mois, ici un petit court métrage sur pareil War Thunder, Top Gun en F4 Phantom, 1900 vues, maintenant on va passer à DCS, voilà, et j'ai vu sur le F16, 1200 vues, T80 War Thunder, presque 1000 vues, là il ne reste plus que 3 vues, wow. Le Harpoon, vraiment ma première vidéo, on va dire, de qualité, made in moi, très grosse fierté, celle-là, 937 vues, après, voilà, ça descend tranquillement, voilà, c'est quelque chose de plutôt normal. J'espère que mon format vous plaît toujours autant, de toute façon, ma communauté, enfin, on est là, vous êtes là parce que mon contenu vous intéresse, je suppose. Voilà, un contenu plutôt vulgarisé. Il y a certains tutoriels qu'on ne trouve qu'en anglais. Donc ça c'est quelque chose que je cherchais au moment de la création de la chaîne. C'est d'aider des gens qui ont du mal déjà avec l'anglais. Et puis même certains tutoriels où vous mettez 30 minutes à regarder une vidéo sur un mec qui explique certes tout en détail, mais bon, des fois il vous montre pas les touches, du coup vous l'avez dans le cul, etc. Donc là j'essaie vraiment de faire un format condensé, où on dit un maximum d'informations en un minimum de temps, sans être vraiment trop compliqué, hein. Ça reste quand même mes explications, donc il se peut qu'à certains moments ce soit pas hyper méga clair, mais j'essaye de l'être le plus possible. Donc voilà, c'est un clap de fin pour cette année merveilleuse, hein. On se retrouvera l'année prochaine pour une vidéo du même genre, hein, pour le bilan de l'année 2021. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine, allez, ciao tout le monde.